Ah. Voilà. On se casse. On se casse. Ah, bon, je suis morte. Ah oui. Effectivement, tu es morte. T'es en live là? Oui. J'ai dit bonjour? Non, t'as pas dit bonjour, parce que t'es mal poli. Mais j'ai pas compris à partir de quand il faisait le live. C'est quand j'ai dit oh, c'est bon, on est en ligne. J'ai pas dit bonjour à ce moment-là. Non. Bon, c'est bon, moi je suis dans le camion, je t'attends. D'abord, je vais être lente comme d'habitude. Ouais, bah oui, comme d'habitude. Bon, comme d'hab, on part avec les thermomètres pour localiser la pièce. Thermomètre, lampe, plus un objet, le livre, ça marche bien. Enfin, ça marche bien quand ça marche. Pour l'instant, ça n'a pas trop marché, Oui, mais pour hein? l'instant, on n'a eu aucun truc qui utilisait le livre. Livre et EMF, par exemple. Non, livre et caméra. Caméra pour installer la caméra directement sur place. Salut Kat! Oh, tu m'as fait peur. Comment vas-tu? Il y en a qui sont toujours fidèles au poste. Hein. Ah, il y en a qui sont. Ah, ça y est, t'es en ligne normalement. Mais Ah. c'est bizarre, j'entends dans mon casque, c'est trop bizarre. C'est quand je fais ça? Ah oui, c'est ça. C'est quand j'utilise le micro in-game. Parce que là, du coup, tu dois m'entendre dans le jeu aussi. C'est ça. Mais du coup, c'est bizarre parce qu'on dirait que ça fait. Ça suffit. Donc, le fantôme s'appelle Patricia Moore. Il répond à tout le monde. Ah, c'est le cousin de Don Amour. C'est ça doit être la cousine de Don Amour. Ah oui, la cousine, pardon. Trouver des preuves du paranormal avec un lecteur EMF, avec du sel, et faut assister à un événement paranormal. Ok, alors on prend une lampe, on prend ça, et moi je vais prendre en plus la caméra. Et bien sûr la clé. Hein. Très bien, j'ai enfin mon Lixi Shiny au bout de la 12e capture. Et l'herbe ne peut ne Non, pas pas le journal. briller mais avoir un shiny. Oui, je sais, Kat, effectivement. Oui, tu prends le journal, mon cœur. Oui, effectivement, j'ai déjà vu des clips où le shiny peut apparaître dans une herbe qui ne brille pas. C'est bon? Je prends l'aspirine box. T'as pris le thermomètre? Thermomètre d'abord pour repérer la zone hantée. Cette fois, je ne m'enfuirai pas. Cette fois, je ne m'enfuirai Retenez pas. bien cette phrase, cette fois je ne m'enfuirai pas. Oui, ce serait pas mal d'allumer la lampe quand même. Alors, hop. Ah, bah c'est bon, c'est dans l'entrée. J'ai eu du 5. Ah non, c'était peut-être parce qu'on était dehors. Mais attends, mais voilà, c'est ça, il faut faire attention à ce qu'on s'est fait voir la dernière Ouais. fois. Tu te rappelles? Moi, j'ai Patricia cru. Moore? Patricia Moore. Bonjour, madame. Patricia Moore? Patricia. Ouais. Patricia Moore? Patricia. Patricia Moore? Patricia. Patricia Moore? Patricia Moore? Êtes-vous là? 23 degrés, c'est pas grave. Non, non, bah moi j'ai aussi pas. Pour l'instant, j'ai pas eu une pièce intéressante. Les portes sont fermées. Bah, ouvre-les. Mais je peux pas. Ça marche pas. Clic gauche. Bah. Ouais, effectivement, il y a une pièce qui a l'air fermée à clé. Peut-être qu'on peut y aller par. Bah non, je peux pas y accéder par là. Patricia Moore? Patrick? Non, Patricia.
Patricia Moore. C'est ouvert. Oh, ça fait peur. Oh, ça fait peur quand ça s'ouvre. Oh, ça fait peur. Oh, ça fait peur. Non, ça va être sans jeu. Ça... Je commence déjà à paniquer. Au secours. Je sens que je vais encore me retrouver tout seul. Elle veut pas s'ouvrir cette porte. Ah bah non, c'est normal, fallait tirer. Bon, ça, a priori, ça peut être dans la cave, mais il y a plus de chances que ce soit dans une autre pièce quand même. Pour l'instant, t'as pas trouvé d'anomalie? Non. Patricia Moore. Bonjour Patricia. Patricia. Patricia Moore. Non, pour l'instant, j'en ai rien. Ah, t'es là. Ouais, je suis là. Bah, j'ai fait le rez-de-chaussée. Il y a la cave encore qui n'a pas encore été faite. Ah, bah voilà, t'as réussi à ouvrir les portes. Patricia Moore. Non, 17 degrés. Je suis pas trouvé, alors. Faut appuyer et pousser en même temps. Patricia Moore. Ah, Patricia Moore. Je suis déjà allée dans les deux chambres au fond, là. Bah, je vais quand même rechecker, mais... Patricia Moore. Bon, bah, ça doit être à la cave, alors. Patricia Moore. T'es allée... T'as fait vraiment tout le rez-de-chaussée? Bah, tu peux rechecker, mais normalement, ouais, j'ai fait tout le rez-de-chaussée. Je descends à la cave. Famous last word. Patricia Moore. Patricia Moore. Patricia Moore, êtes-vous là? Patricia. Donnez-nous un signe. Patricia Moore. Patricia Moore. Patricia Moore. Patricia Moore. J'ai entendu un bruit. Ah. Mais pour l'instant, je suis toujours à des températures au-dessus de 20. Elle n'a pas l'air d'être à la cave. Patricia Moore. Patricia. Patricia Moore. Non, ce n'est pas moi, Patricia Moore. Ah, moins 3, moins 1. T'es où? Viens. T'es là. Ah. Ça y est, j'ai trouvé. Moins 4, 0,2, 0,6. Mais attends, mais moi j'ai pas du tout ça qui... Ah si! Mais attends, c'est dans le... Ça doit être dans le bureau. Bon, déjà on peut mettre température glaciale. Ouais, c'est ici. Ok. Ouais, effectivement. Je vais installer la caméra. Ok. On va la mettre là. Ah ah, je l'ai trouvé. Bien joué mon cœur. Ok, je vais aller checker les enfants automatiques. Pose le livre. C'est fait. Essaye de l'asticoter un peu pour qu'elle essaye peut-être d'écrire dans le livre. Patricia. Patricia Moore. Êtes-vous là? Patricia Moore. Quel âge avez-vous? Patrice. Oula. Ah oui, il y a des orphes fantomatiques. Ah, j'ai entendu un bruit. Il y a des orbes fantomatiques. Ok, je peux voir? Ouais. T'as posé le livre? Oui, mais pour l'instant, rien. Ok. Donc déjà, ça, on peut jeter. Et je vais prendre l'EMF et le DOTS. Alors, il y en avait tout à l'heure quand il était... Je vais y aller, je vais aller la titiller. Il a moins 7 dans le camion, donc elle nous a suivi. Ah. Non, c'est juste qu'il fait froid dehors. Je vais aller la titiller, tu vas voir les orbes fantomatiques. D'accord. On est à combien sur le compteur? On est à 2. Il y a un petit pic à 5. Non, le chronomètre. Ah, je sais pas, c'est où? C'est au-dessus de l'ordinateur. Zéro. Ah, bah c'est ok, donc ça veut dire qu'elle est passée en phase d'attaque. Patricia Moore. Tu l'as mis où le livre, mon cœur? En face de toi, là. Non, tu vois pas? Ah oui, je vois l'empreinte automatique. Ok. Ah.
J'ai eu du... Ah, je revenais en automatique. J'ai de l'EMF. J'ai de l'EMF à 3. Ok. Oh, je revenais en automatique. Ok. Ou bon. Alors, c'était ton souffle. Alors, mais l'EMF n'est qu'à 3. Ah, mais oui, mais elle m'a balancé un gobelet. Oh. Bah, attends, je vais prendre l'appareil photo. Je vais prendre le gobelet en photo. Je pense que ça va, doit valoir du fric. Ah, mais non, mais attends, mais je vais mettre le DOTS d'abord. Je suis con. Tu m'entends pas? Si, si, je t'entends. Mais non, non, je pense pas. Ah non, si, si, c'est ton souffle. Patricia Moore. Patricia Moore. Je suis à 3 en... Je suis à 3 en EMF, mais ça dépasse pas les 3. Au niveau de l'activité, on est stable. On est retombé à 0 en activité. On va essayer avec la... Alors déjà, je vais prendre... Donc, je vais jeter l'EMF. Je vais prendre l'appareil photo. Est-ce que tu veux plus utiliser la Spirit Box? Ah bah si, attends, on va mettre du sel aussi. Hop. T'es déjà reparti? Ouais, je suis déjà reparti. Faut que je reste là ou... Non, tu peux m'accompagner. Pour l'instant, zéro, les... ça veut dire qu'elle a attaqué? Pardon? Je prends pas le compteur à zéro, ça veut dire... Ça veut dire qu'elle peut potentiellement attaquer. De quoi? Tu vois pas, je reste dans le canon pour regarder l'activité du coup? Non, mais pour l'instant elle est pas très très vieille. Ah! Quoi? Elle a marché dans le sable, dans le sel! Oh! Hop, je vais prendre la photo. Ah, mais merde, du coup j'ai pas pris le. L'appareil photo. Ah! Genius. I'm a fucking genius. T'es où toi, mon cœur? Bah, je suis dans le canon du coup. Bah, je t'avais dit que tu pouvais m'accompagner. Tu peux utiliser la Spirit Box et la lampe UV? Ouais, c'est mais... des crucifixes. Non, la lampe UV. Non, non, je me demandais pourquoi il y avait des crucifixes. Bah, parce que ça repousse certains types de fantômes. Donc faites marcher un fantôme dans du sale, ça c'est fait. Trouver des preuves du paranormal avec un lecteur EMF, ça c'est fait. Et avoir un membre de votre équipe assister à un événement paranormal, ok. Donc je vais prendre les traces de... Bah, attends, j'ai pas coché les indices. Pour l'instant, on a orbe fantomatique et température glaciale. Ça peut être un revenant, un Yorei, un Antu ou un Onryo. Ok. Et a priori, le DOTS ne fonctionne pas. J'ai pas vu, j'étais à combien en santé mentale? J'ai pas regardé, désolé. J'aurais peut-être dû regarder avant. Ah oui, bon, elle a bien marché dans les empreintes. Hein. J'ai cru voir un truc sur le DOTS. C'était peut-être juste mon nombre, mais... Patricia Moore, êtes-vous là? Patricia Moore, quel âge avez-vous? Il y a une porte qui s'est ouverte, mon cœur. Ouais, je retourne au camion. Pourquoi? On sait jamais. Ah, moi aussi, hein. Bon, allez, ça. T'as pas répondu en tout cas. Alors. T'as utilisé le détecteur d'empreintes? Ah. C'est à 54 en santé mentale. Par contre, elle n'a pas répondu à la Spirit Box. Ouais. Et moi, je suis à 69. Bon, elle risque pas de m'attaquer normalement. Mais attends, mon appareil photo il est cassé. Ah.
Elle a cassé mon appareil photo, la connasse. Ah, elle a répondu, elle a entendu quand j'ai dit connasse. Bah du coup faut utiliser les empreintes. Mais il m'a semblé voir un truc au DOTS hein, tout à l'heure. Je suis pas sûr à 100%. Je te laisse y aller. Je surveille l'activité. Pour l'instant on est à zéro. Les orbes fantomatiques sont toujours présentes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on a un petit pic à 4 là. La table. Il y a des empreintes. Ok, parfait. Empreinte digitale, c'est donc un en tout. Et bah du coup, on peut y aller. Je t'attends dans le camion. Mais on devait pas faire d'autres objectifs? Pardon? On devait pas faire d'autres objectifs? Bah on les a fait. Trouver des preuves du paranormal avec le lecteur EMF. Et avoir un membre de votre équipe assister à un événement paranormal, ça n'a pas été fait, on dirait. Hein. Oui, mais alors, j'ai pas envie de mourir pour assister à un événement paranormal, en fait. Ça, c'est pas grave si tous les objectifs sont pas faits, hein. T'as rempli ton journal? Allez, remplis-le. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon? Et c'est parti. J'ai vu une main sur la porte qu'elle avait poussée justement. D'accord. Une main verte. Et est-ce Sinon, on qu'on... les voit les empreintes. Hein. Oui, on les voit bien les empreintes, hein, il n'y a aucun souci. On a gagné 10 dollars pour avoir trouvé quel type de fantôme c'était. Du coup, c'est bon? Ouais, c'était bon. Par contre, ouais, j'avais Et pas on a eu... réussi! On a réussi, ouais. Preuve ADN, J'ai os. gagné 30 dollars, moi. Moi aussi, et je suis passé niveau 6. Débloquer détecteur de mouvement et débloquer projecteur DOTS. Ok. Bon, faut que j'aille faire pipi. Ah, déjà? Je t'ai dit quand j'étais stressée, j'avais envie de faire pipi. Je sais. J'ai 44 dollars. Bon, bah c'était une mission rondement menée. Je vais Mais peut-être pour une fois, rajouter une deuxième lampe UV. je me suis pas enfuie. C'est bien mon cœur. Ok. Alors, contrat. L'asile, c'est peut-être un peu... M'appelle Lodge Campsite. Ça, on pourrait le faire celui-là, tiens. En tout cas, GG du coup, Kat, pour le Lixi Shiny, hein. GG à toi. De rien. Mais ça va, elle était gentille, Patricia. Oui, Patricia, elle était pas trop violente quand même. On peut pas dire qu'elle nous ait beaucoup. Alors, je te propose du coup qu'on passe en normal, en intermédiaire au niveau de la difficulté.
Oh, c'est bon, on va pas rester en amateur toute notre vie. C'est quoi en fait la différence? Les fantômes sont un peu plus agressifs, ils attaquent un peu plus rapidement. Oh, mais parce que la partie d'amour, elle était sympa, mais les autres avant, ils étaient pas forcément très cool, hein. Oui, mais les autres avant, on n'avait pas été bons. Ça te va? Bah écoute, si tu as envie que je reprenne mes jambes à mon cou, ouais. Justement, c'est ça qu'on a envie de voir ici. Ah Non. Allez, c'est parti. non, moi je mets qu'un seul écouteur, sinon je. Je peux te comprendre. Ah, j'ai oublié de fermer la porte. Mais attends, je me retourne. Ah, merci. C'est bon, moi je suis dans le camion. Et donc là, au lieu d'avoir 5 minutes avant qu'il commence à attaquer, potentiellement, on n'aura plus que 2 minutes 30. Oui, bah c'est pas grave. Je m'excuse d'avance pour la communauté. Oh, t'inquiète pas, la communauté, elle en a vu d'autres. Et donc là, on est sur un campsite. Maple Lodge. Campsite. En gros, on est sur un camping. Un campsite, hein, ton anglais, chérie. Oui, bah moi je le comprends. T'es toujours coincé à 90%? Amateur, intermédiaire, professionnel. Professionnel, je crois que t'as une minute avant qu'il commence à pouvoir potentiellement attaquer. Non, pour l'instant, je te vois pas. C'est bon. Alors, Linda Brown. Et elle répond à tout le monde. Tac, thermomètre, caméra. Et lampe torche. Alors. Va falloir prendre une photo. Ça va être drôle, tiens. De prendre une photo du fantôme, Ouais. ça a l'air difficile. Ouais. Parce qu'il faut qu'il t'attaque, non? Alors, pas forcément, c'est la première partie qu'on avait faite ensemble, j'avais vu le fantôme sans qu'il attaque. Mais il faut flirter avec l'attaque, quoi. Hein. Enfin, Bah, c'est ça, va ouais. falloir le provoquer. Il faut le faire marcher dans du sel et nettoyer la zone avec un bâton d'encens. Ok. À part la photo, tout semble jouable. La photo, ce sera un coup de chance, peut-être une opération suicide. Attends, je vais prendre le terrain. Et je prends quoi, le journal? Journal et lampe torche. C'est bon? Alors, par contre, vu que c'est un campsite, Eh bah oui, Bon. dehors il Je fait. lag. Tu lags? Dehors il fait froid. Il va être plus difficile à repérer. D'accord, c'est là le début du. Ouais. C'est pas à l'intérieur en fait. Ouais, mais comment on va le repérer en fait? Je sais pas. Parce que là, je suis dans la tente, mais il fait 5 degrés, forcément, c'est une tente. Ouais, c'est vrai compliqué. Je peux pas refermer la porte. Parce que là, je suis dans une tente où il fait 7 degrés, mais. Oh, ça va être l'horreur, ça, en fait.
Oh, je lag. Que si t'arrives, mon cœur. Je sais pas pourquoi je lag, ça m'énerve. Oui, mais bon, il fait 4 degrés. C'est normal qu'il fasse 4 degrés, il fait froid. Ouais. On est dehors. Ouais, non, ça, j'avais déjà visité la tente ici. Faut regarder dans les tentes ou dehors, je comprends pas. Faut regarder dans les tentes. Alors par contre, il y a des bâtiments qui ont l'air d'être un peu en dur. Comment il s'appelle déjà le fantôme ? Ah non, je sais. Et oui, mais forcément qu'il fait froid, donc à moins qu'on ait une température glaciale, je vois pas comment on pourra le repérer, quoi. Ah, j'ai du 1 degré, non. 5 degrés. Là, j'ai 0,6. Mais... Ah, 0,6, c'est bas quand même, hein. Je crois que j'ai entendu un mot. Ah, 0,4. Ah, moins 7 degrés. Ça ? Dans la tente rouge au niveau de l'entrée du camp. Donc, température glaciale, on peut le noter. Température glaciale, tac. Ah oui, moins 3. Ok. Donc, du coup, on va mettre ça pour les orbes fantomatiques. Voilà, je vais aller contrôler ça. Tu peux mettre le livre. Je suis en moins 7 à l'entrée. Ouais, ouais, non, non, c'est bon, c'est celui-là. Ok, c'est bon, j'ai repéré le chemin. Je devrais pas me perdre. Non. Alors, il s'appelle Linda Brown, le fantôme. Il n'écrit pas ? Non. Essaye de l'appeler. Voir s'il y a des orbes fantomatiques qui se manifestent. Linda Brown ? Ah oui, j'ai vu une orbe. Réessaye. Linda Brown ? Vous êtes là ? Ouais, ouais, il y a des orbes. Ok. Alors, on va prendre du sel et le MF. Donc c'est la tente rouge, on a dit, hein. Ah, ça, elle a marché. Elle vient de marcher dans le sel. Oh. Je suis à 2 sur le MF. Tu veux parler un coup pour voir ? Linda Brown ? Non, j'ai pas vu d'orbe. Linda Brown ? Bon, on est 4-2 sur le MF, a priori. Ah, je crois que j'ai vu des trucs, des petites poussières. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, elle a marché dans le sel. Je crois que c'était une de nos missions, ça. On est à 0 sur le compteur, mais pour l'instant, c'est calme, c'est 0. On va peut-être prendre la... Non, si elle a fait dans le livre. Pardon ? Tu as regardé si elle a écrit dans le livre ? Ah non, j'ai pas regardé, je sais pas où tu l'as mis le livre. Bah, sur la petite table à droite quand tu rentres. D'accord, bah je vais regarder ça.
Tu check le compteur? Enfin, le compteur, le. Je regarde juste un peu la luminosité parce que j'ai pas de yeux. Donc on a joué sur un feu automatique pour l'instant. Ouais, oh putain, elle vient encore de marcher dans un truc de sel. C'est bon. On est toujours à 10? Ça vient de rebaisser. Oui, elle nous a fait une petite, petite crise existentielle, Linda Brown. Donc j'ai pas eu le temps moi de regarder les empreintes. Je ne vois pas d'empreinte pour l'instant. Ah si, empreinte. Eh ben c'était encore un an de tout. Eh ben décidément. C'est quoi le troisième prix? Ah oui, température glaciaire, j'avais oublié. Température glaciale, orbe. Mais attends, j'ai envie de voir ce que c'est en tout. Je sais pas ce que c'est. Sont les entités rares qui profitent des climats les plus Et froids. du coup, il me faut un bâton d'encens pour libérer la zone. Tu veux le faire peut-être? Comme tu veux. Bah, c'est comme tu veux, mon cœur. Pour le bâton d'encens, il me faut un briquet et l'encens. Ah, Bah, jette le. Par contre, jette le thermomètre, sinon tu vas pas réussir à prendre. Faut que tu jettes deux objets dans ce cas-là. comment je fais? Je pose l'encens et après j'allume, c'est C'est ça? ça, tu poses l'encens et ensuite tu l'allumes avec le briquet. On est à 5 en activité. T'es à 80% de santé mentale, tout va bien. Non mais après moi je lag donc ça c'est ça qui va me causer ma perte s'il y a un problème. Hein. Mais comment ça se fait que tu rames Je sais autant? pas. Est-ce que tu as fermé Filmora? T'as aucune autre application ouverte? Bah normalement non. Bah écoute, tu vérifieras entre les deux missions. Qu'est-ce qu'il y Comment je a? fais pour poser le... Ah oui, ok. C'est bon, j'ai mis l'encens. T'as mis l'encens. Effectivement, c'est bon, la mission est accomplie. Donc du coup, il y a juste la photo. Est-ce qu'on la tente? Est-ce qu'on tente la photo? Si, il est toujours là, c'est juste que ça purifie un petit peu, c'est histoire de mettre de la bonne humeur. Bon, je vais essayer de le provoquer. Ah oh, putain, non, c'est risqué. Vas-y, tant pis, je m'en fous. Tu marques les noms, Les tu quoi? marques l'épreuve, et on y va. Ouais, c'est bon pour moi. Et c'est parti! Eh ben dis donc, mon cœur en a été très efficace. Tu m'as fait un bisou. Non, j'ai enfoncé la lampe torche dans la tête. Et ça t'a traversé. Mais ça veut dire que tu es un fantôme? Ah bah non, Ah, c'était un mimique, putain, fais chier! À chaque fois, on se fait avoir un. Et du coup, on a eu 40 dollars parce qu'il y a un multiplicateur de difficulté. Le mimique, on se fait avoir à chaque fois. Et oui, le mimique, il peut faire des orbes lumineuses aussi. Là, il est 11h moins 20. Ouais, pourquoi? 11h moins 20, hein. Ah, moins 20, d'accord. On s'en fait un petit dernier? Allez.
J'ai 79$. Est-ce que... J'achèterai pas... Ah oui, tiens, deux bougies. Ah non, j'en ai déjà deux, c'est bon. Crucifix, j'en ai. Lampe de poche, pas besoin. Briquet, c'est bon. Ouais, je vais peut-être prendre un deuxième appareil photo, on sait jamais. Ok, moi je suis prêt. Et on est parti. Eh ben, ce soir, hein, mon cœur, on défonce tout, hein. Ouais. Ils sont partis faire la fête CAF et... Les fantômes, ouais, c'est ça. Les fantômes, c'est pour ça qu'ils sont calmes. Ils ont fait la fête. Exactement. T'as vérifié, entre-temps, si... si t'avais rien d'ouvert? Non. Vérifie maintenant, pendant que ça charge. Je vais faire une table. Mais ça prend du temps. Bon, après, pour l'instant, je t'ai pas encore ramené dans les niveaux les plus durs, genre asile ou prison. Ou école abandonnée. Ça, c'est des niveaux qui sont immenses. Ah ouais ? Ah ouais. Déjà, rien que pour retrouver la pièce où elle est, ça peut être chiant. Et à deux, c'est un peu compliqué. C'est faisable, mais c'est un peu compliqué. C'est bien à deux tables pour... Oui, elle te tape pour changer de fenêtre. Ouais, même ça, il a du mal. Hein. Je sais pas. Ouais, ton ordi, il commence à être vieux, hein, quand même, mon cœur. Il commence à être vieux. Bah, il a quel âge ? Ouais, c'est pas qu'il commence à être vieux, c'est qu'il commence à être dépassé. Il a 3 ans ? Non ? J'ai eu début 2019. Hein. Début 2019. Alors en plus, c'était un reconditionné celui-là. Mmh. Ouais, donc. Il a presque 3 ans. Ouais, il a presque 3 ans. Bah, il commence à être vieux. Pour un ordi portable, il commence à être vieux. Oui, j'ai l'impression. Ah, c'est, je te vois. D'accord. Bah, il veut pas. La fenêtre, il veut pas. Hein. Je sais pas ce qu'il veut pas. D'accord. Alors, il faut un crucifix. Ah oui, mais j'ai pas de détecteur de mouvement, ça coûte une blinde. T'as fait un mouvement chelou. Ah bon? Ah oui, t'étais... faites en sorte que le fantôme éteigne une bougie, je crois que des bougies j'en ai, ouais, c'est bon. Donc on pourra pas faire l'objectif 3 parce que de toute façon j'ai pas de détecteur de mouvement. Et elle s'appelle Sandra Johnson, elle répond à tout le monde. Alors, j'ai le thermomètre, et du coup, hop, la caméra, la lampe torche, c'est bon, moi j'ai tout. Ah, ça y est, il a pris les fenêtres, il s'est mis en fenêtre. Ah. Ah, pardon.
Oh putain, elle est possédée, elle est possédée! Attends, je regarde ton écran. Ah elle est possédée! C'est terrifiant en vrai. C'est bon, t'as tout? Oui. Et c'est parti. Je prends l'étage, tu prends le rez-de-chaussée? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Non, non, mais je sais pas pourquoi ça ne met pas. Tout va bien. Attends, j'ai déjà oublié comment il s'appelle le fantôme. J'ai pas regardé. On est les pires. Ah, en tout cas, il a été réactif. Hein. Il est déjà passé à 3 sur le en activité. Sandra Johnson. Ah, mais il est déjà à 5. Putain, il est violent ce fantôme. Bonjour Sandra Johnson. Bonjour. C'est pour EDF. On vient relever le compteur. Je tente le bluff, hein. Sandra Johnson? Sandra Johnson? Sandra Johnson? Bonjour Sandra, nous aimerions vous parler de la nouvelle technique commerciale qui vous permettra de gagner plein d'euros. Non? Oh, je suis passé à 9. Sandra Johnson? Attends, est-ce que c'était là ou là? Sandra Johnson? Ouais, je crois que j'ai trouvé la pièce. Sandra Johnson? Oui, c'est bon, j'ai trouvé la pièce. 6 degrés 5, ouais, c'est bon, c'est celle-là. Je viens te voir. T'es où? Je suis à l'étage. Oui, je sais, je suis déjà à l'étage, mais tu es où? Je suis là. Ah! Oh, attends, ça va péter les yeux. J'ai installé la caméra, je vais vérifier s'il y a des orbes fantomatiques. Oh, 16 degrés, moi. Non, mais asticote là un peu, tu verras, ça baisse en dessous de 10. Sandra Johnson? Quel âge avez-vous? Non, moi j'ai pas. Hein. Sandra! Ouais. Sandra Johnson! Ouais, mais si tu fais comme ça, je suis pas sûr qu'elle répondra. Ah! 1-8 dans le couloir! Dans le couloir? Oui, oui. Je me demande si c'est pas là, du coup. Hein. C'est là chez lui, non? Ah ouais? Ah, je pense. Ah bah écoute. C'est vrai que ouais. J'ai eu un doute. J'ai eu un doute aussi. Attends, je vais quand même reprendre mon thermomètre dans ce cas. Oui, bah genre. Oh! Elle a fait tomber un truc! Dans le couloir? Oui. Ok, donc je pense qu'effectivement... Elle fait tomber un gobelet. Ah, c'est une petite coquine, la Sandra... La Sandra Johnson est une petite coquine. Ah non, ah, je peux pas récupérer la caméra, au secours. Là où je l'ai mis, je peux pas la récupérer. Ah, ça c'est chiant, ça. Tu l'as encore fait tomber derrière un meuble ? Non, c'est juste que je l'ai mise en haut de l'étagère et j'arrive pas à la récupérer. Ah, c'est bon, je l'ai. Ok, on va se mettre là. Et on va voir s'il y a des orbes fantomatiques. Recat. Pardon ? Je vois pas où t'as mis la caméra. T'as posé le bouquin du coup ? Oui. Ah bah j'ai pas vu si elle avait écrit dedans. Je vais prendre. Bah, j'ai posé le bouquin et elle a fait tomber une tasse juste à côté du coup. D'accord. Genre, non, tu mets pas le journal ici.
Pas le journal! Ouais, bon, ça fait un petit moment, je pense déjà. Tu as mis où exactement le bouquin? Sur la table, quand tu arrives, c'est sur la droite. Il y a une table à droite, Ah oui, là. ah bah c'était là, c'est là où j'ai posé la caméra. Voilà. Et J'ai beau. là? Oh, mais en fait, on est en température glaciale. J'ai vu mon souffle. Sandra Johnson? Sandra Johnson? Sandra Johnson, répondez! Il n'y a rien à l'EMF. Hein. Sandra Johnson, donnez-nous un signe. Ouais, on est bien en température négative. Pas de dorme. Pas d'ordre. Pas d'or, pas d'écriture fantomatique. N'a pas écrit? Non, non. Sandra Johnson? Non, rien du tout. Je suis à combien en santé mentale? Tu es à 57 pour 58%. Oh, ça baisse vite. Oh, ça, c'est un U-ray. Tu penses? Ouais, je pense. Regarde ce qu'ils disent sur les U-rays. Forte influence sur la santé mentale. Alors par contre, ils disent que, y a des orbes fantomatiques normalement. On va essayer avec le projecteur DOTS. Alors, je vais le mettre là. Sandra Johnson. Est-ce que je peux le mettre au sol en fait? Non, je peux pas le mettre au sol. Sandra Johnson. Elle a écrit sur le livre! Elle a écrit sur le livre. Donc écriture fantomatique. Donc c'est pas un U-ray. Et elle a fait des gribouillis. Ah, le téléphone sonne. C'est normal? Sûrement pas. C'est soit un revenant, soit un démon, soit une ombre. Ah, ça peut être un démon, du coup. Oh là. Il y avait quelque chose qui était derrière moi. Alors, donc du coup, on a l'écriture fantomatique. Alors, le démon. Le démon. Ce serait les empreintes digitales. Donc, il va falloir checker les empreintes digitales. Le revenant. C'est en fantomatique, donc c'est pas lui. Ouais, a priori, c'est pas un revenant. Et le dernier, c'était quoi déjà? Ombre. Ah oui, on... EMF niveau 5. Non, a priori, c'est un démon. Génial. On va checker les empreintes digitales. Attends, fais voir d'ailleurs les démons. Les démons chasseront bien plus souvent que d'autres fantômes. Ah. Sympa, ça donne envie. Ouais. Bon, ben, je dépose la petite récolte, ça sert à rien. Ouais, donc du coup, la lampe torche. Je prends une bougie, prends un briquet. Ouais, il faut pas prendre le truc. J'ai déjà pris pour les empreintes. Allume la lampe que je viens de la l'ampoule que je viens de poser. L'ampoule, la bougie. Comment je fais? Bah, comme avec l'encens. Non, ça marche pas quand on fait le son. Normalement, si. J'ai fait clic droit pour allumer. Ah, c'est bon, ça y est. Alors, tu trouves? L'instant, je trouve pas d'empreinte. J'ai entendu une porte s'ouvrir. Sarah Johnson, éteignez la bougie. Sarah Johnson!
Je vois pas d'empreinte. Ça me dérange un peu. Sarah Johnson. Êtes-vous là? Sarah Johnson, je vais récupérer le DOTS. Sarah Johnson. Sarah Johnson, êtes-vous là? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a soulevé un objet. Ah. En face. Il n'y a pas de trace sur l'objet. Non. Bizarre, hein? Je vais fermer les portes autour pour la forcer à en ouvrir une. On se casse. On se casse. Je suis morte. Ah oui. Effectivement, tu es morte. Alors, chose étonnante, c'est qu'il n'y a pas eu d'attaque. Je l'ai pas vu arriver, hein. Non, non, mais il n'y a pas eu les trucs qui ont clignoté. Ouais. Est-ce que je peux voir le fantôme Oh, maintenant ouais, que je suis je à suis morte? 6%. Oui, tu peux le voir normalement. Si tu te promènes dans la maison, tu peux tomber sur lui. Ah bah il a éteint la bougie, hein. Donc, hop. Du coup, on a dit que normalement c'est un démon, hein. Parce que Ouais, mais on n'a pas trouvé d'empreinte. l'ombre c'est le MF niveau 5. Éventuellement, dans ce cas, toi tu prends l'ombre, tu marques ombre et moi je marque démon au cas où. Je peux encore noter des trucs dans le journal, moi je suis morte. Oui, tu peux noter des trucs dans le journal. Ah oui, mais oui, il faut que je prenne l'appareil photo pour prendre une photo de ton corps. On a dit quoi déjà? Ombre? Toi, tu prends ombre et moi, je prends démon. T'es morte dans une position de toute beauté. Ok. Sarah Johnson! Je guette pour toi, si je le vois. Ah, ok, elle a essayé de m'attaquer avec le crucifix a pris cher. Ouais, c'est bon. J'ai empêché une chasse, c'est bon. Je l'ai pas vu, tu vois. Regarde sur mon écran le crucifix, comment il brille en rouge et il est à moitié cassé. Et donc là, du coup, normalement, effectivement, Je l'ai pas vu, hein. empêcher le fantôme de chasser avec un crucifix, c'est bon. Je suis quasiment sûr que tu peux prendre démon. Hein. Tu peux mettre le démon. Ah, orbe fantomatique! Je viens de voir une orbe fantomatique. C'est un revenant. Ah bah je vois rien, moi. Sauf si c'est un mimique. Attends, déjà mimique, c'est quoi? Spirit box, empreinte digitale. Ouais, non, il n'y a pas d'empreinte digitale, non, c'est bon. C'est bon, c'est bien un revenant. Ça revenant? Ouais, t'es dans le camion, t'as tout mis. Donc au niveau des preuves, il y a l'orbe fantomatique, l'écriture fantomatique et les températures glaciales. Oh, je suis à 0% en santé mentale. Oh putain. Voilà, j'ai mis revenant. Ok. Hop, et il tente de se casser parce que moi j'ai besoin d'aller à l'asile.
Et c'était bizarre le bruit quand il nous a attaqué. Ouais, c'était bien revenant. Photographie 15. Yes, 90$. C'est bon ça. De quoi? Tu m'as même pas écouté. Tu disais que le bruit quand il nous attaquait c'était chelou, mais j'ai pas remarqué de bruit bizarre moi. Ah bon? T'as pas eu de bruit bizarre toi? Non. Et comment t'as su qu'il nous attaquait alors? J'ai. Parce qu'il y a eu un. Enfin, il y a eu le bruit du fantôme, mais pas. Enfin, normal quoi. Bah, ouais, enfin, c'est le bruit normal du fantôme. Bon, du coup, tu veux en faire une autre ou on s'arrête là? Non, c'est bon, stop. Ok, bon, bah, hey, mon cœur, 100% de succès cette fois-ci, hein. Ouais. Alors, sauf qu'on s'est planté. Si, oh, non, on s'est planté une fois, il y a eu un mimique où on s'est planté. Mais le petit revenant, là, bon, hey, il t'a eu. T'as gagné combien, toi, sur cette mission? 22. Pardon? 22. 22, d'accord, moi, j'ai gagné 90. Bon ? Bah, je suis vivant, normal. Et du coup, j'ai acheté un détecteur de mouvement pour la prochaine fois. Très bien. Eh bah, écoutez, on va se laisser là pour cette petite vidéo de Phasmophobia. Pas beaucoup de cris cette fois-ci, hein. Pas de crise de panique. Non, ça va, j'ai géré. Hein. T'as géré. Allez. Je vous laisse ici YouTube et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye!